Le festival d'échecs de Bienne bat son plein et les pros Gelfand, Pelletier ou encore Vachy-Lagrave se disputent ardemment l'échiquier. Pendant ce temps, 5 jeunes joueurs qui participent à la Coupe Anova louent un appartement au Faubourg du Lac à Bienne pour la durée du tournoi. Comme vous allez le constater, on n'y parle pas seulement échecs. La journée dans la colocation des joueurs d'échecs ne commence pas très tôt. Les joueurs peuvent récupérer du tournoi de hier soir. On essaie de se réveiller avant 10h pour pouvoir préparer un petit peu les parties le matin. Ou sinon pour aller faire un petit peu de sport, aller faire du badminton par exemple. Pendant la durée du Festival international d'échecs à Bienne, les jeunes gens se concentrent sur le jeu des rois. Mais dans leur vie, d'autres activités les intéressent aussi. Le web design est l'un de mes hobbies. J'ai mon propre site. Je suis aussi fan de football et parfois je vais voir des matchs que je ne joue pas aux échecs. Une bonne ambiance règne dans l'appartement. Les jeunes viennent de la Suisse alémanique et de la Romandie. Et ensemble, ils parlent le français. Leur passion commune sont les échecs, mais leur but dans la vie est différent. Moi, j'aimerais bien devenir prof de maths à l'école, au gymnase. Ce serait l'idéal. Je pense qu'en restant prof ou bien en faisant un autre métier, je vais de toute façon continuer à jouer aux échecs, ça c'est clair. Puis justement, en faisant prof, j'aurai beaucoup plus de vacances. Puis je pourrais jouer aux échecs beaucoup plus. Mon objectif, c'est de devenir maître international. Je ne veux pas devenir joueur d'échecs professionnel. Ce serait trop serré au niveau financier pour moi. Je n'aime pas non plus la pression que j'aurai. La pression de devoir gagner, ce n'est rien pour moi. Alors aux échecs, j'espère devenir grand maître en tout cas, puis aller le plus loin possible. Je verrai sur le moment, mais pour le moment, grand maître, ouais. À midi, après l'échauffement pour les échecs, il mange un bon plat léger pour garantir une concentration totale pendant le tournoi de cet après-midi.